Bonjour, je m'appelle Eva et j'ai fait un dessin sur les stéréotypes filles-garçons dans la cour de récréation. Donc j'ai fait le terrain de basket, là où jouent les garçons. Et j'ai fait sous le préau où les filles sont quasi tout le temps. Je m'appelle Shaina et j'ai fait le dessin de la cour de la grande. Et j'ai mis le préau, le terrain de basket, mais je joue jamais au basket parce que j'ose pas y aller. J'ai peur que les garçons se moquent de moi. Bonjour, je m'appelle Naïla. Alors j'ai fait un dessin et j'ai dessiné le terrain de basket. J'ai fait des bancs et j'ai dessiné le préau. D'accord, alors toi quand tu es dans la cour de récréation, qu'est-ce que tu fais? Ben nous, d'habitude, on s'assoit sur les bancs et on discute. Alors quand tu dis nous, c'est qui? Moi et mes copines. Et tes copines, donc dans la cour de récréation, tu ne te mélanges pas avec les garçons? Non. Vous restez que entre filles. Et pourquoi? Parce que les garçons, ils jouent au basket. Tous les garçons de la classe ici jouent au basket? Oui, mais pas tout le temps, parce que maintenant, il y a une règle. Parce que tu peux expliquer la règle? En fait, maintenant, on a fait un planning. En fait, les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, en fait, on a décidé de faire repartir tout. Par exemple, lundi matin, c'est la classe de Madame Mar. Lundi après-midi, c'est la classe de Madame Playet. Et après, ainsi de suite. D'accord, donc c'est y a un créneau horaire pour chaque classe, c'est ça? Donc du coup, quand vous n'avez pas, c'est pas le créneau horaire, je parle aux garçons là, quand vous n'avez pas le créneau horaire du basket, qu'est-ce que vous faites dans la cour de récré? On fait un loup. Et vous jouez avec les filles? Non. Donc même quand vous jouez au loup, vous vous mélangez pas? Bah non. Parce que les filles, elles n'arrêtent pas de faire des histoires, du coup, c'est pour ça qu'on vient plus avec eux. Alors est-ce que ça, c'est pas un peu un cliché? Ça, nous, on a joué avec les filles. Ouais. Mais aussi, quelquefois, pendant qu'ils jouent, on les embête, mais du coup, ça fait comme si un peu on jouait avec eux. Avant, on jouait des fois avec eux, mais après, on a arrêté parce que ils font n'importe quoi dans les loups. Ils savent pas jouer. Mohamed Amine a dit. Les filles savent pas jouer au loup. Est-ce que vous trouvez que c'est normal de dire ça? Non, ça se fait pas. Parce que non, on y joue, mais qu'avec les filles. Et quand vous jouez entre filles, vous avez l'impression que vous ne savez pas jouer? Bah non. Quelle serait la bonne raison pour que jouer entre filles, c'est mieux, et jouer entre garçons, c'est mieux? Bah pour pas se bagarrer et faire des histoires. Parce que tu penses que si on jouait entre filles, enfin si on mélangeait les filles et les garçons, il y aurait forcément des histoires, c'est ça? Ben surtout, on se comprend mieux entre filles et entre garçons, on se comprend mieux.